Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un moteur qui marche le feu. Oh, comme ça marche un 70 bidello, s'il crache le feu celui-là, on peut le dire. Vas-y, tape une axelle pour voir. Ah non, non, Bah, bruteur, les gars, non! Oh bruteur. mon Dieu, on arrête! Ah, on la voit bien la baraque là. Ah putain, là, ça tourne du feu, hein. C'est comme ça que ça marche, un moteur sur mes morts. Allumage mal calé. Retour de flamme, ouais! On a colorisé le cylindre, alors vous pouvez voir là où il est un petit peu dorussé et puis un petit peu noirussé en bas. Mais à mon avis, ça va finir, attends, ça va être un top noir celui-là. Frère. Les gars, pas faire boum surtout. Voilà la peinture, elle est belle la peinture. Oh mais mort, il y a carrément la flamme partout. Il y en a, ils font les peintures au four, bah nous on s'en bat les couilles, on fait les peintures au barbecue nous. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation des 103, ça y est, enfin, elles sont là. Donc je vous présente celle-là, petite 103 SP, kit 50 Gilardoni, et petit pot serpentin Poligny et carbut 19, Delorto. Elle est de 1983, et immatriculable, donc... Machine intéressante, et puis comme on peut le voir, dans son jus, mais en bon état général quand même. Voilà, là je vous présente la petite 103 SV de 1977. Celle-là, elle est full stock, tout d'origine. Le pot, tout cylindre, tout, c'est tout de l'origine. Ça va très bien. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la photo, il n'y avait aucun câblage en arrivant. Et vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, on l'a essayé. Donc, on s'est déjà chargé de remettre en route. Et voilà, c'est tout ce qu'elle avait, celle-là, les câbles à remettre. Et un nettoyage carbu du Seigneur, parce que premier démarrage, il était bouché. Voilà, donc pour celle-là, ça va être assez rapide. C'est pour un projet Mobcross. Elle n'a pas de plaque de mine, donc je ne sais pas de quelle année elle est. Voilà, il faut que je lui mette un cylindre piston culasse, un pot d'échappement et ça repart en bise. Voilà, donc pour le Mobcross, je vais enlever les jantes à bâton. J'y mettrai sûrement des jantes à rayon. Une jerrycan en guise de boîte à air sous la selle, ça ira très bien pour le Mobcross. Et voilà. Allez, assez de blabla, on passe au test. Enfin, d'abord, si t'en veux encore, lâche un like. Et puis, abonne-toi. Hein, ça mange pas de pain, cousin. Allez, merci bien. Et voilà, la petite 103 NVL, du coup. On va voir ce que ça tourne. Bon, il n'y a pas de frein, il n'y a qu'un câble d'accélérateur, il n'y a même pas de décompresseur, c'est vraiment du test pour test. Eh, c'est pas fait pour ça, frère. Bon, on voit comment ça roule. Fais gaffe le frein. Bon, bah si je me mange par terre. Hein. À l'allumage, il sort des fils, on sait même pas pourquoi. Bah, si tu peux éviter de te manger le pain, ça doit être les phares. Bon, ouais, voilà. Il y a même le petit serre-casque d'origine. Ouais, si on n'arrive pas à le mettre, c'est bon, il ne va pas sortir. Allez. Ouais, ça y est, il a trouvé le cadre. Carbut 12, tout d'origine, peau patate, tout full d'origine. On l'a 40, c'est trop drôle. Ah, par contre, là, le temps qu'ils reviennent, il y en a pour un moment. Oh, fada. Pour aller chercher les sangliers. Alors, il n'y a pas de frein, il fada avec les pieds. Le demi-tour du Seigneur. Allez, à fond la gomme, bravo. Qu'est-ce qu'il fait quand même pour un grec, quoi. J'entends même pas. Il est plattu, battu. Oh putain. Ah ouais, le freinage, heureusement, chaussures de sécurité, le freinage.
Oh merde. Oh merde. Pourquoi? Ah, il y a plus d'essence, peut-être j'avais mis une sortie du truc. Alors je vais essayer de filmer en même temps que je roule, sachant qu'il n'y a pas de point de rien. C'est tendu quand même. Chaud, putain. Franchement, j'ai envie d'aller essayer sur la route là. Bah viens, on monte ta bleue aussi. Mais on peut pas, le carbu passe pas. Mais tu... Et bah voilà, la petite MVL, full origine, pour cigarette. Voilà, et la petite petite 50 Gilardoni. Voilà, donc je suis bien content de ce petit lot de mobilettes. Théoriquement, le collègue, il devrait me racheter la rouge, ça lui a bien plu. Et puis l'autre, elle va me servir pour le motocross. Et puis j'ai pris aussi avec, il m'a donné pas mal de pièces, des amortisseurs arrière. Je vais peut-être avoir de quoi remonter mon cadre tout pourri là-bas. Donc à voir plus tard.
Et voilà, donc cette vidéo arrive bientôt à sa petite fin. Je vous laisse me dire ce que vous pensez en commentaire de ces petites machines. Moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Vraiment, je suis remonté il y a 20 ans en arrière et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de rouler à 150, c'est le kiff. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment de la bombe atomique. C'est vraiment très drôle. Bon, après, c'est vrai que c'est pas top adapté à la route, étant donné que les gens roulent comme des tarés. Et que on aurait vite fait de se faire rouler dessus quand même, quoi, parce que c'est vraiment des petits engins. Mais c'est quand même très très satisfaisant par comme là, par temps mitigé ou par beau temps, pour taper des balades à plusieurs en groupe avec les collègues. Franchement, c'est le pied. C'est bien mieux qu'une 50 à boîte. Voilà, voilà. Comme quoi. Hein. Bon, et ben, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci d'avoir regardé la petite vidéo si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et puis pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, faire un petit PayPal sur mon PayPalMe, un petit don sur mon PayPalMe, pardon, qui sera dans la description. Et je vous mets dans la description toutes les caractéristiques et description moteur de la mobilette, des mobilettes, enfin des deux, parce que la troisième, il n'y a pas grand chose. Bien que si, il manque que le cylindre piston. On verra ce que j'y mettrai plus tard. Je veux pas rester, je voudrais rester sûr que de l'origine. Non, ça roule pas à 150 hein, non plus. Ah, les joies de la mobilette.